Coucou et bienvenue sur les créas de Lily Tilda. Voilà, je reviens vers vous pour vous faire un petit haul. Je suis allée vite fait chez Action et chez Zodio et Picquick. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai fait une bonne affaire. Ouais, attendez, je vais vous montrer. Bon, bah, ça c'est chez Action, mais ça, moi j'aime bien ça parce que c'est jetable, c'est propre et j'aime beaucoup ça. J'utilise ça beaucoup. Voilà. J'ai pris ça. Par contre, je voulais vous montrer un truc. Vous vous rappelez que la dernière fois j'avais trouvé des rouleaux comme ça, donc qui sont pas mal. Moi j'avais payé 7,90. Voilà. Et là, je suis tombée. J'ai fait la radio chez Zodio. Avec la pastille verte, vous voyez, normalement c'est 7,90 et je l'ai payé que 2 euros. 2 euros le rouleau. Donc j'en ai pris 3. Et dedans, vous en avez 5 mètres. Donc j'en ai pris 3. Ça, je suis trop contente. Donc bah, ça me compte du petit pain. Si vous avez envie d'aller en chercher, bah, allez-y. Parce que moi, j'en mets partout dans mes petites créations. Il est trop bien. Voilà. Donc, c'est le même que celui-là que j'avais payé 7,90. Et là, en solde, 2 euros. Ensuite, j'ai trouvé des petits cœurs comme ça. Voilà. Donc, dedans, vous en avez bah, 200. Marqué ici. Et bah moi je les ai pris parce que je vais pouvoir faire ce que je veux avec, faire des embellissements de mon choix avec. Et le petit trou est déjà percé, donc je pourrais les mettre dans mes petites décorations. Voilà. Voilà. J'ai pris des petits trucs, des petits œillets. Comme ceci. Voilà. Alors, je suis un petit peu déçue parce que bah, il n'y a plus rien dans les magasins. C'est aussi simple que ça. Ça recommence avec la pénurie. Tout partout. Hein. Donc, on va s'attendre encore à de mauvais jours, je suppose. Donc, chez Action, j'ai trouvé ceci. Une petite lampe, un petit phonophore de sel. Lampe de sel qu'on appelle ça. Donc moi je vais mettre une petite bougie et ça sera pour moi mettre ici parce que j'aime beaucoup et voilà. Donc ça je crois que c'était 1 euro, je sais plus, mais il y en a plein. Bon, ça j'aime bien. Voilà, j'ai pris ça. Je me suis pris ce petit Bouddha que je trouvais trop mignon. Voilà. Pour mettre dans ma pièce avec des autres petites choses, j'aime beaucoup aussi ça. Il est trop chou en plus. J'en avais différentes avec des différentes fleurs. Moi je vais enlever la fleur et puis je vais mettre autre chose avec. Voilà, j'ai trouvé ces petites dentelles que je cherchais depuis un moment et que j'avais pas, que je trouvais pas. Du coup, j'en ai pris 4 différents. Pour faire un peu de réserve. J'y allais aussi pour des cartouches, mais en pénurie. De toute façon, si tout va bien, ils seront livrés dans 15 jours. Donc, j'en ai fait deux. J'en ai quatre chez moi. J'en ai fait deux. Les deux disparaissent. Si tout va bien. Donc, à mon avis, les magasins vont encore être vides de chez vous. Ça, c'est sûr. J'ai pris de la petite colle comme ça pour dépanner. Voilà, pour les gros travaux, les machins. J'ai pris ceci. Voilà, des petits trucs comme ça. Petits œillets comme ça. Car Cathy, la chaîne de Cathy Chou, nous a montré des petites choses qu'on pouvait faire, les décorer. Tout à l'heure, j'en ai fait deux avec des sauces Tergreen. J'en ai fait un en noir et un de l'encre noire, et là
avec de l'encre marron. Et ça, c'était des petits œillets comme ça de chez Sostergreen. Après, vous les décollez. Et vous avez vu, ça fait des petits trucs comme ça. Et ça fait assez sympa quand on va mettre ça sur des petites décos. Regardez. Ça vous fait ça. Voilà. Donc après, vous faites aux couleurs que vous avez envie. Et je trouve ça super génial. Donc, j'étais en chercher. J'en ai pris deux paquets et dedans, il y en a 1960. Oh, bah, pas mal. 960, on tiendrait quand même. Moi, je sais pas, ça me paraît beaucoup, 960. Bah, peut-être, hein, il y en a pas mal. Hein. C'est marqué là. Bon, bah, écoutez, en tous les cas, ça, c'est une belle astuce que Cathy de la chaîne Cathy Chou nous a montré. Pour faire ces petits embellissements là. Merci beaucoup Cathy, merci. Elle nous l'a montré dans son dernier live. C'était tout au début, vous pouvez aller voir si vous voulez. Donc la chaîne de Cathy Chou. Voilà. Merci encore à toi Cathy pour l'astuce. Voilà, ça. Et puis, ah j'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est chez Action aussi, c'est les petites lettres. Voilà. Comme ça, vous les avez aussi en chiffres, je crois. Ouais, en chiffres. Donc, ben, moi je les ai pris. Je pense que je vais m'en servir pour faire des étiquettes avec. Faire des embellissements. On verra bien. Donc, ça c'était 1,89€, je crois. Ouais, un truc comme ça. En fait, c'est des petits tampons. Hein. Alors, attendez. Les bidons à enlever. Voilà, c'est des petits tampons. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci avec les lettres. Voilà, il y a lettres et chiffres après, sur un autre truc. Donc, les chiffres, non, les chiffres, c'est avec un entourage rose ou orange. Et puis celui-là, les lettres, vert. Et vous avez 56 pièces dedans. Voilà. Et j'ai pris un dernier petit truc parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Ça, je voulais essayer. C'était à 2,99€. Pour le prix, je me suis dit, ça marche pas, c'est pas grave. Et du coup, je vais le tester. On verra bien. Je sais pas ce qu'il vaut du tout. J'en ai déjà un, mais j'avais pas le truc pour faire le pli. Et je me suis dit, parce que j'étais chez Audio, il y avait à peu près le même qui était à 18€. Moi, j'ai dit, attends. Juste après, j'avais chez Action, je me suis dit, oula, mais je vais aller voir quand même. T'en mettre 18€, ça me fera un peu mal. Dépenser 18€, si c'est comme celui de chez Action. Donc, je me suis dit, je vais prendre celui-là, on verra bien. Celui-là, il pète, et j'irai, je m'en achèterai un, mais un bien. Un Fiscard ou un truc comme ça. Mais je voulais essayer celui-là avant. Alors pour enlever ça, c'est pas évident. Désolée pour le bruit. Apparemment, on a une recharge là. Et bien. Une feuille, on va le tester le petit. Alors déjà trouver comment ça marche. Ça c'est pas gagné. Ça se déplie normalement. Bon, ça c'est tout. On va l'essayer comme ça. Ça après à 6, voilà comme ça. Donc on va prendre une feuille, on va essayer. Hop. Alors je vais essayer déjà avec le pli.
Ah bah ouais, c'est pas mal avec le pli. Ah bah, vous pouvez pas voir, j'ai pas allumé la lumière. Voilà, ça ira mieux. Alors j'espère que vous avez bien vu tout ce que je vous ai montré. Donc je refais. Je fais pour faire mon trait. Bah c'est pas mal. Vous avez vu là. Donc après. On va plier pour voir. Ouais, c'est pas mal. Bon, maintenant, on va essayer de le couper. Bah écoutez, il n'a pas l'air d'être mal. On va le refaire en une seule fois. Vous voyez, des fois, ça sert à rien de mettre cher dans les trucs. On va essayer de le recouper. Alors là, je passe une fois pour faire un trait. Bah, pas mal. Et là, je vais le couper. Et voilà. En plus, bah, il coupe droit. Ça n'a pas l'air d'être mal pour le coup. Voilà. Donc, et bah, pour l'instant, voilà. Je suis contente, ça marche. Après, si ça marche pas, bah... Je m'en voudrais moins d'avoir mis 3 euros 2,99 euros je crois, ouais c'est ça. Vous voyez, ça marche bien quand même, on voit bien le trait. Donc voilà. Bon bah voilà pour mes petites choses que je voulais vous faire partager un petit peu. Là j'ai des autres trucs mais ça n'a rien à voir avec le scrap. Donc j'allais là-bas pour acheter des cartouches à la pu. Hein. J'allais aussi pour acheter du papier craft, etc. Il n'y en avait plus non plus. Enfin, j'y allais pour plusieurs petites choses et il n'y avait rien. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc, bah, je suis contente aussi d'avoir trouvé ça. Et surtout la petite lampe de sel. J'aime bien. Et aussi les rouleaux. Les rouleaux. Ah oui, les fameux rouleaux. Alors, ça. Ça, c'est trop bien. Alors je vais vous en déballer un pour voir comme quoi c'est bien le même. Franchement, allez-y, hein, il y en avait plein d'autres. Moi j'ai pris celui-là parce que c'est celui-là qui m'intéresse. Ben, voilà, c'est exactement le même que celui-là. Voilà. Ça c'est mon ancien et ça c'est celui que je viens de déballer. Là, je suis contente. Donc ça m'en fait 4 rouleaux. Donc il y en a assez pour voir. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, mes petites abonnées. Bah écoutez, moi je vais ranger tout ça. Je vais faire des petites choses. Ah oui, j'ai fait aussi des petits trucs. Mon Pinocchio. J'ai commencé à faire des petites étiquettes. J'ai découpé, j'ai ancré, j'ai mis sur du papier craft de l'autre côté. Petites étiquettes que j'ai fait moi-même. Voilà. Comme ça. Et comme ça, je vais en refaire des autres. Et puis des sur le thème de Pinocchio parce que j'aime bien. Donc là, je les ai tous ancrés et derrière c'est le papier craft. Et voilà les deux autres. Voilà, j'ai déjà fait ça. Je fais des autres petites choses, mais je vous montrerai plus tard dans une vidéo. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour le moment. Avec les petits cœurs, ben, je suis contente aussi parce que je vais pouvoir les décorer, les customiser et tout. Même les peindre en blanc. J'ai peindre la moitié en blanc. Ça sera pas mal. Et du coup, ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les créas de Lily Tilda. Bisous, bisous.